Salut tout le monde, c'est Adé pour le RPG AD. On est rendu au jour 14. Aïe aïe! J'suis à jour! Colin, j'suis à jour aujourd'hui. On va commencer par sécurité, sûreté. Ah, les jets de sécurité. Qui sont généralement des jets pour voir si on réussit à accrocher une porte. Étonnamment, sécurité est un skill qui souvent aide à défaire une sécurité plus que d'autres choses. J'ai pas grand chose de spécial à dire. C'est plus un jeu de rôle dans la nature que vraiment j'ai peur de ma sécurité. Parce que tu sais que la nuit, des gens qui adorent jouer les ogres rôdent, les orques et autres créatures vertes. Et ben, c'est cool, tu sais, ça a un rapport avec l'histoire. Mais, quoique, ça me fait penser. Dans ma game de Jade Legion, je joue une elfe mage. Bon, on pourrait dire rien de spécial. Mais, moi, mon elfe mage, elle a la particularité que c'est une petite elfe qui vient des bois, c'est une elfe des bois, tu sais, qui vient de Saint-Fond-du-Rang, tu sais, une place où que, genre, il y a juste des elfes, elle a très rarement vu des humains, et évidemment, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, ben, tu sais, c'est que elle est, de par les mémérages qu'il y a dans son endroit de creux, si on pourrait dire. Elle a la tête pleine de préjugés. Dans le sens que elle avait peur pour sa propre sécurité. Parce que c'est une mage. Puis elle a vite compris que si tu veux réussir à obtenir de l'argent, souvent, la case aventurier est ce qui te permet d'avancer le plus vite. Mais elle avait peur des aventuriers parce que elle avait entendu plein de rumeurs par rapport aux autres que surtout si t'es une fille, surtout si t'es une elfe en plus, ben eux autres, ils vont, tu sais, la nuit, tu sais, il y a des choses qui se passent, là, tu sais. Fait que, eux autres, la nuit, ils veulent, ça bouge dans leur lit, là. Fait qu'elle se dit, ouais, mais là, je vais faire des aventures, mais je veux pas nécessairement m'en aller dans cette direction-là. Fait que, elle s'arrangeait tout le temps pour freiner l'aventure, même dépenser des spells, des scrolls qu'elle s'était cassé la tête pour faire, pour revenir en ville, question de pouvoir dormir dans une chambre d'hôtel qu'elle pouvait barrer à clé. Bref, elle a peur pour sa sécurité. Fait qu'à un moment donné, les premières fois qu'elle a dormi en aventure, elle s'était organisée dans une place qu'elle avait fait un sort sur une porte, ça était dans un genre de maison plus ou moins décrépite, puis elle avait casté un spell de verrouillage sur la porte, t'sais. Comme ça elle était safe pour la nuit. L'autre fois, elle dormait toute dans une grotte, puis elle s'était casté alarme. C'était éloigné des autres, puis elle avait casté alarme. T'sais. Puis là, un moment donné, qui était poigné pour dormir dans la même place que les autres, elle a reparlé. Bon, je suis pas prête pour ce genre de choses-là. Elle a confronté, puis les gars ont regardé. Qu'est-ce que tu dis là? Mais non, écoute, c'est pas le genre de choses qu'on fait chez nous, entre nous autres. Là, c'est pas. Fait que ça a amené des moments de roleplay très très intéressants. C'est très très drôle. Limite. There's no limit. Only that we put ourselves. C'est surtout vrai en jeu de rôle.
Plaisir. Oui, on a du plaisir à jouer au jeu de rôle. Je sais pas quoi dire d'autre. Momentum. Show must go on. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Fait que j'ai fini de plier mon linge et de le ranger. Mais j'espère que vous souhaitez des critiques nombreux. Et des fois, bah, bye.